Coucou les amis, on se retrouve, on est samedi matin, voilà, au lever du soleil, de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, donc la dalle elle était finie, elle est toute crade parce que il a fait une averse, donc on a marché un peu dessus. Bon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Déjà, j'ai été faire les courses, je vous montrerai après. Voilà, je suis en train de coffrer pour pouvoir brancher les poteaux. Donc comment j'ai pratiqué, je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai fabriqué des morceaux de bois comme ça, avec une feuillure dedans, pour avoir mon départ. Tac, je l'ai fixé après ma longrine. Voilà. Pour pouvoir planter les branches. Après j'ai fait toute une ossature avec du chevron. Et voilà, je vais me reculer un peu pour que vous voyez mieux. Tac. Et voilà, j'ai tout triangulé à l'arrière. Ça donne ça. Donc là, il y a la partie extérieure, la peau extérieure de mon ongle qui est coffrée. Donc c'est un peu de la branche, pas toute neuve, hein. Donc on fait comme on peut. Là, je vais boucher un peu les trous. Je vais bien siliconer tout partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Après, on va venir pratiquer les joues. On va faire les joues. Et puis, on pourra ferrailler. Donc, j'ai laissé la place. Hop, je le ramasse. J'ai laissé la place de passer les U. Là. Attendez. Hop. Tac, comme ça directement on va pouvoir tenir les pots ensemble. Voilà, donc j'ai été faire les courses. Qu'est-ce que j'ai acheté hier? J'ai acheté du sable noir concassé. Bon, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Donc ça va être le béton va être fait avec ça. Voilà. Et en plus, donc ça, c'est celui où il y a la fine dedans pour avoir le liant. Et si on monte là-haut, hop, j'en ai un deuxième tas. Un peu la jungle ici. Avec de la plus grosse. Voilà. On mettra ça. Directement dedans, ferraillé, fibré. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, je vous reprends un peu. Je vais aller manger. Il est 13h30 là. Voilà, donc on a coulé, coulé moi, coffré le poteau d'angle. Donc à chaque fois, je triangule comme ça, je plante des piquets au sol. Et je mets des chutes d'agglos, des chutes de panneaux, ce que j'ai, pour bien que ça tienne l'équerrage. Voilà. Donc on a fait cette partie. Voilà. Là, j'ai déjà mis les deux joues. Tac. La partie du milieu. Toujours pareil, tout, même procédé. Hein. Donc je plante des piquets. Je triangule bien et là j'ai tendu une ficelle. Je sais pas si on va la voir pour pouvoir aligner directement. Là j'ai tendu une ficelle de là-bas pour pouvoir bien tout déligner. Voilà, allez, je vais manger un bout, me reposer 5 minutes et je vous reprends cet après-midi. Allez, voilà, c'est la fin de journée. Donc on a coffré la deuxième partie, tout bien renforcé. J'espère que ça va tenir. Voilà, je vais monter un bout d'échafaudage. Et demain,
on pourra couler le premier poteau. Bonne soirée à vous, à bientôt.